C'est vraiment un immense honneur pour moi d'être aujourd'hui assermentée comme députée de Jean Talon. Je voudrais premièrement remercier les citoyens de Jean Talon de m'avoir choisie. J'accueille cette marque de confiance-là avec énormément d'humilité, mais une grande fierté. C'est vraiment un privilège de servir les Québécois. Maintenant, j'ai conscience que cette confiance devra être gagnée jour après jour, avec des actions concrètes sur le terrain. Les citoyens, les organismes, les entreprises s'attendent à ce que je m'attaque à des enjeux précis. Les familles veulent être sûres qu'on va les soutenir. Les aînés veulent vieillir dans la dignité. Les entreprises ont des enjeux de main-d'œuvre et je m'y engage dès maintenant. J'ai toujours voulu contribuer positivement à la société et être utile pour les Québécois depuis mon adolescence. Et c'est cette mission-là qui a guidé mes choix de carrière récents, mais également mes choix au niveau de mes engagements personnels et les causes dans lesquelles je me suis impliquée. Je pense qu'on peut faire la différence de multiples façons dans la société. On peut s'impliquer dans des organismes communautaires, on peut choisir des vocations sociales. Ma mère a été infirmière longtemps, on peut être professeur, on peut décider d'aider notre voisin, d'aider nos amis. Mais je crois fondamentalement que la politique peut être un véhicule formidable pour avoir un impact positif dans la société, pour aider des milliers, voire des millions de personnes. Que je ne pouvais pas imaginer un plus beau cadeau pour la fin d'année que d'ajouter à notre équipe cette femme formidable, Joël Boutin. Joël qui a réussi un exploit, faire tomber la dernière forteresse libérale à l'est de Montréal. C'est pas rien! C'est pas rien!